Putain de merde. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et donc, on se retrouve pour l'épisode 4 de Pokémon version argent, ça va silver. J'espère. Et c'est parti. Je sais pas pourquoi j'ai voulu répéter. J'espère que vous allez bien. Je suis bizarre. Bon. Donc, on s'était arrêté à l'entrée de la ville. C'était Mauville. Qui est donc la ville du premier badge. À l'heure où je tourne, aucune vue sur toutes les deux épisodes précédents. Oui, ça fait 3 jours pour le dernier que j'ai posté. Et y a rien, rien du tout. J'espère simplement que vous entendrez pas trop la musique du jeu derrière parce que j'ai pas pris de casque donc. Pour couper la musique du jeu, donc surtout pour couper la répétition de la musique du jeu, donc j'espère que vous aurez pas ça. Je sais pas ce qui s'est passé là, j'ai eu un petit lag. Arbre secouable. Ouais. Académie. Académie. Salut, je sais que c'est soudain, mais veux-tu faire partie d'un groupe. Si tu es dans un groupe, tu peux affronter ses membres au copain à quelqu'un. Quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ok. Je sais pas ce que c'est en fait, cette partie-là du jeu, j'ai jamais vu. Petite référence, tiens. Bon, j'avais pas la place, mais bon. Je pense que vous savez tous d'où ça vient. La coop team, comme je l'ai dit, c'est la coop team de qui était formée par Frigiel, Zelvac, Siphano et Léo Zander, je crois, il y a maintenant presque 2 ans. Déjà. Non, 1 an. Il y a 1 an. Bon. J'espère que le groupe aura de nouveaux membres. Bon, ok. Je sais pas ce que c'est ce système de groupe là, donc je sais pas comment on fait pour ajouter un membre. Merde. En plus, j'ai pas l'accéléré sur cet émulateur là, donc. Il y aura pas d'accéléré, et puis c'est tout. Putain, j'appuie sur A dans le vide et je trouve une Pokéball. Chanceux de la mort, je savais même pas qu'elle était là. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je sais plus où est-ce que sont les objets. Donc je crois que là où il est, il faut que j'aille à la tour Chétiflore, que je fasse la tour Chétiflore, tout ça. Centrale de la tour était à l'origine un Chétiflore haut de 30 mètres. Vois-tu le pilier osciller? Les moines s'entraînent dur là-haut. Construite il y a longtemps pour s'entraîner avec les Pokémon. Celui ou celle arrivant au sommet de la tour recevra une formidable capacité. Oui, qui s'appelle Coupe, je crois. Coupe ou Flash, je sais plus. Ils sont pas capables de chasser tous les rats qu'il y a dans la ville. Ah oui, j'ai pas joué depuis le dernier épisode pour ceux qui l'ont regardé. Donc, mes Pokémon n'ont pas XP, ou pas trop, je sais plus si j'ai XP un petit peu après que j'ai tourné l'épisode 2, mais je sais en tout cas que j'en ai pas capturé d'autres. Ouais, donc là, hop, 11 et 10, hop. Résultat, c'est mon Rakeyou qui est le plus puissant. Même en y mettant toutes nos forces, on ne pourra même pas ébranler la tour. Si tu veux. Mais je parie ce que vous voulez qu'un Tyranocif qui balance un séisme, la tour est s'écroule. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'un Tyranocif qui balance un séisme, ça fait tomber n'importe quelle tour. Même n'importe quel bâtiment tout court. Bon. Au revoir, Chétiflore. Oui, je vais toujours garder les mêmes répliques. Oui, vous inquiétez pas pour ceux qui ont vu rouge cheveux, je vais dire toujours les mêmes choses. Comme là, vous allez voir. Bonjour Chétiflore. Au revoir Chétiflore.
Ça, c'est quelque chose que je disais toujours dans mon let's play aux cheveux. Je sais pas pourquoi, c'est un truc qui me tient toujours à cœur en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit quand je vois un Pokémon qui tombe KO. Ou qui crève surtout. Non, c'est un peu bizarre quand même ce système de jeu là. Bon, c'est pas grave. Oubliez tout ce que j'ai dit et puis c'est bon. Bon. J'ai juste prévu un truc que je sais par contre, c'est le système là de sport Pokémon qui est près du parc Safari justement. Je le ferai. Je sais plus quand est-ce qu'on le débloque. Je sais plus si c'est à la fin du. Je sais plus si on le débloque après la ligue ou si on le débloque avant. Mais je sais que je ferai 2-3 trucs avec vous. Moi de toute manière, c'est un type de jeu que j'aime bien, mais ce qui était dommage, c'est que vu que c'était sur DS, j'avais peur de péter mon écran. Parce que je frappais comme un bourrin sur mon écran. Pour les jeux où il fallait frapper. Sinon, je frottais comme un malade et il y avait des traces. Donc, j'ai jamais trop joué sur ce mode de jeu-là. Le Pokéathlon, voilà. J'en m'en souviens. Comme ça, ça va me permettre réellement de faire un let's play un petit peu plus long que la vie que ce qu'on a fait pour aux cheveux. Et je compte aussi en profiter vu qu'il y a ce système de groupe. J'aimerais voir aussi jusqu'à quel point on peut le pousser, jusqu'à quel type de membre je peux faire venir. Nous montons la garde dans cette tour. Nous y exprimons notre gratitude envers tous les Pokémon. Donc je sais pas exactement si je ferai beaucoup de Pokéathlon ou si je ferai qu'un tout petit peu de Pokéathlon. Tout dépendra de si jamais vous regardez déjà le let's play et si vous me demandez d'en faire beaucoup plus. Moi bien sûr ça me dérangera jamais d'en faire autant que vous voulez. Par contre c'est vrai que ce serait quand même cool de ne pas me demander d'en faire une centaine. Parce que je vais pas tenir. Au bout de 50 ça me saoule déjà. Et puis là je suis en train de m'informer un petit peu. Je peux pas faire de. Je comptais me lancer dans les lives justement depuis que j'ai récupéré mon game capture, mais comme vous le savez, je peux pas commenter en même temps de tourner maintenant. Je n'ai plus mon game capture dans ma chambre, donc ma console dans ma chambre. Je peux plus rec dans ma chambre, donc plus faire de rec audio vu que après il y a une pourriture audio qui est totalement dégueulasse. Quand je dis pourriture audio, c'est tous les bruits de fond qui font qu'on n'entend pas ma voix. Donc c'est un peu énervant. Donc c'est quelque chose que je referai pas de sitôt. J'ai quand même réessayé de vous tourner un petit peu de temps en temps du The Witcher 2, comme là, depuis la rentrée, j'ai pas rallumé la console, je l'ai pas rebranché. Donc il va falloir que je le fasse. Je sais pas si j'essaie de la remettre dans ma chambre ou si je la laisse là où elle est. Tout dépendra de mon envie. Et oui, je vous impose mes choix. Je suis un gros salaud. Toi, tu sers à rien. Donc, je vais quand même te battre. Merde, j'ai plus le temps de lire. Je suis allé trop vite, j'ai oublié de lire. Sage brillant. Ok. Mais je sais ce qui est brillant chez lui. C'est son beau crâne chauve. Me fout de votre gueule là. C'est comme dans Dragon Ball, j'adore Krillin, il a un crâne chaud et on voit le soleil qui se reflète sur son crâne tellement qu'il est luisant. C'est complètement con. Un crâne chaud, c'est un crâne chaud, le soleil c'est pas le crâne chaud, c'est pas un miroir. Merde. T'as pas de brouillard, ça sert à rien. Hop. Comme ça, j'ai Vive Attack, c'est cool. Chétiflore, encore une fois. J'en ai marre de cette tour, en fait. Il y a un truc que je déteste dans cette tour, c'est que tout le monde a un Chétiflore. Tout le monde, ils ont que ça, ils ont que des niveaux... Non, il n'y a que le boss après qui a un Moustiflore, je sais plus. Il a un Chétiflore niveau 10. Et vu mon niveau de Pokémon, il va pas tenir longtemps. Il va d'ailleurs falloir que j'utilise un petit peu... Racaillou pour l'entraîner un petit peu, parce que là, il va prendre... un petit peu de problème. Il va avoir un petit peu de problème pour se battre contre le champion. Vu que son roux carnage est niveau 15, je crois. Non, il est niveau 12. Non, c'est roux cool son niveau 12 et son roux coupe c'est niveau 15.
C'est pas un haut carnage, c'est un haut plus. J'ai inversé. Hop, je mets Raquel en premier, histoire de l'entraîner un petit peu, parce que là, niveau 10, il va pas faire long feu. Bon, c'est vrai que contre eux, ils se feront 2-3 attaques tranchées, et puis ils crèvent quand même s'ils sont niveau 3. Hop. Je m'entraîne pour trouver la voie du Pokémon. Ouais! Et moi, je m'entraîne pour entraîner mes Pokémon, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'explication. Bon. Hop. Charge. C'est vrai qu'en plus, j'ai pas d'attaque roche pour lui, donc ça va être chiant. J'ai que Poliroche, et Poliroche, elle va servir à rien. Aïe. Saleté. Au revoir, saleté. Oh putain, j'y crois pas, il me fout du KO mon racaillou. C'est pas possible, ça. Bon, c'est vrai qu'aussi, contre ce type plante, il va pas pouvoir faire long feu. Donc, je pense que... À la fin de Tourchetiflore, si jamais... Attendez, là je suis à combien de minutes? La vidéo va faire fait déjà... Elle va monter bientôt dans les 1... Il y a bientôt un quart d'heure. Donc si je fais un épisode de 30 minutes, je fais la Tourchetiflore et la ruine Zarbi. Ouais, le premier passage de la ruine Zarbi pour débloquer les premiers Zarbi. Oui, il est bizarre. Vous avez compris le jeu de mots quand même, les développeurs. Ouais, bon. Aussi, je sais pas si vous regardez beaucoup Cyprien Squeezie. Nier, elle était en page d'accueil pour ceux qui n'ont pas de chaîne. Donc, je pense que vous pouvez l'atteindre facilement si vous connectez pas, si vous n'avez pas une connexion automatique. Ils ont sorti une vidéo avec Satoshi Tajiri. Non, c'est pas Satoshi Tajiri, je suis con. C'est Tajiri. Non, je sais plus. Avec Tezuka et... Ouais, Tajiri. Tezuka et Tajiri. Les deux grands créateurs de Mario... je sais plus si c'est Tajiri pour Mario. J'arrive jamais à m'en souvenir. Je sais que c'est Tezuka. Et l'autre, je sais plus. Montre-moi à quel point tu fais confiance à ton équipe de Pokémon. Et en fait, on vient d'apprendre... Et en fait, j'ai appris que Tezuka était en fait un grand sadique. Quand il s'agissait de créer des niveaux Mario. Il est pour pas perdre son audience sur Mario, sur le jeu ordinaire, il ne crée aucun niveau de bâtard. Mais en fait, dès qu'il est sur Mario Maker, il crée des niveaux tellement bâtards avec Cyprien et Squeezie que c'est tellement dégueulasse que c'est infaisable. Oui, à ce point-là. À ce point-là. Tiens, out. Dommage que mon. Ah, tiens, j'ai plus de 12 PP, ça va être un peu dur de finir la tour. Mais bon, c'est pas grave. Hop, suivant. J'espère que vous entendez pas mes clics. Quoi, on arrive... Putain, il évolue déjà. Il évolue niveau 15, Hérisson. Je croyais que c'était niveau 16. Bon, c'est pas grave. Hop. Votre Hérisson évolue en Hérisson. C'est con qu'il apprenne par où. Francis, qu'est-ce qu'il me veut, Francis? Bonjour Dexort, c'est Francis, tu es en forme? J'ai trouvé tout plein de baies, je peux t'en donner. J'attends sur la route 31. Ok. Merci Francis. Je viendrai te voir tout à l'heure. Putain, c'est cool d'avoir un ferrisson derrière. Ta puissance est réelle, c'est promis. Comme promis, voici ta CT. Toutefois, tu devrais traiter tes Pokémon avec davantage de dégâts. Tu es trop bien, bien trop âpre au combat. Les Pokémon ne sont pas des armes. Pour quelqu'un d'assez prétentieux, pour se faire appeler ancien, tu n'en as pas beaucoup dans le ventre. Bah, ça ne me surprend pas. Je n'allais quand même pas me faire battre par quelqu'un qui raconte qu'il faut être gentil avec ses Pokémon. Et je ne sais quelle ânerie. Ouais, quand même. J'ai un peu de mal à lire ce. Je ne m'intéresse qu'aux Pokémon capables de gagner. Je me fiche des autres. Il y a une tête un petit peu aplatie, notre Nathan. Toc, attendez, ici il y a une corde sortie. Faut quand même que je la prenne. Parce que c'est un peu con de pas avoir de corde sortie, j'ai pas envie de me retaper tout le chemin. Non, il est venu au niveau 14.
quand même vachement bizarre. Sur les jeux de base, c'était niveau au moins niveau peut-être niveau 15, ok, mais au moins niveau 16. Bon, la tour Chétiflore est un lieu où humains et Pokémon s'entraînent pour un avenir radieux. Voici venue ta dernière épreuve. Il te faudra me battre. À moi de tester le lien que tu entretiens avec ton équipe de Pokémon. Ouais. Et bah, va fumer plus loin, petit ancien. Oui, parce que petit. Tout petit. La mèche. Au revoir. Au revoir. Le one shot. Bon, aussi, il faut dire que j'ai quand même le double son niveau, donc. Oups, bah, j'utilise une charge, comme ça, je ne vais pas me casse-pied avec la mèche. Même, j'aurais pu utiliser Vive Attack, sinon. What? Comment c'est possible ça? Il m'a sorti un hypnose. Il est niveau 10, merde. Comme quoi ou ça peut être utile. Oh putain, ça va être dur à buter lui. Et je vous préviens, si me bat mon fleurisson, je le bute. si me bat mon fleurisson, je rouvre la, j'ouvre la console de jeu et je supprime le personnage. Oui, ça s'appelle un rush. Ça s'appelle une rage totale. J'espère simplement que je vais pas tomber sur un Pokémon trop chiant après. Que je puisse le one-shot l'autre. Parce que là, il me reste plus que 17 PV si je veux pas aller loin. Chétiflore, niveau 7, ok, Flamèche, c'est fini. Voilà, au revoir l'ancien. Tout est fini, ça fait 20 minutes de vidéo. J'ai fini la tour Chétiflore en 20 minutes. Ok, même pas, parce que le temps qui arrive, tu prends 3 minutes, donc en plus le temps de la présentation, donc ça fait 2 minutes, ça fait 5 minutes en moins, donc je l'ai fait en un quart d'heure. Putain, j'ai mis plus de temps quand je suis avec vous que quand je suis tout seul. Bien, ta façon de te battre est extrêmement efficace. Avec un tel potentiel, tu parais capable de te mesurer à Albert. D'autre part, tu as mérité cet flash. Je suis sûr que tu sauras l'utiliser comme il convient. Par contre, je sais pas ce que je vais faire pour la reine. Est-ce que je prends le passage qui fait que je ne prends aucun dresseur ou je prends le passage qui fait que je me prends tous les dresseurs? Sur Finac 2. J'hésite parce que si je me prends le passage avec aucun dresseur, je vais tomber avec un contre Albert avec un fleurisson niveau 15 et un Bacaillou niveau 10. Ouais, donc non, je vais aller aux Arbis et je vais entraîner mon Pokémon. Bon, on ne voit rien, hop, vous êtes d'accord, vous ne voyez rien. Hein, il s'est rien passé. C'est tout beau. Il n'y a pas de bug de texture. Hein. What? C'était quoi le sprite qu'il avait, le mec? Et lui aussi? Je les ai jamais vus. Seraient ces sprites cachés de Pokémon Soul Silver? Ouais, non, je me fais des films. Toc, la noix grume qui est ici. Oui, je vais pas me faire avoir, je vais pas aller choper le... Je vais pas aller voir le... L'arbuste bizarre qui est en fait un simulacre. Je vais juste aller récupérer la CS... Je sais plus si c'est coupe ou éclat rock qui est là. Jérôme du jeudi. Tiens. Pierre dure. Ok. Ok, donc maintenant vous savez que j'ai tourné jeudi. Mais c'est Éclatrock ça. Et Éclatrock, ce sera la cité que je pourrais utiliser seulement au deuxième champion, je crois que c'est le champion insecte, donc le deuxième
qui va me permettre de utiliser que la 3 corps combat. Je sais plus. Même je sais plus si c'est déjà parti ça ce système là. Dans cette version. Bon hop, on va tout de suite aller ouvrir les arbis. Agir. Quitter. Oui. Je savais pas qu'il y avait ça au-dessus. S-O-R-T-I. Sortie. Ok, donc ça c'est la sortie. Ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Comme ça. Merde. Hop, 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 voilà. Kabuto, non c'est pas Kabuto, c'est... Si c'est Kabuto, ouais c'est Kabuto. Tu viens de tomber du plafond, ça veut dire que... Comment tu as résolu le puzzle de pierre? C'est formidable. Tu as l'air d'avoir la bosse de l'archéologie. Alors tiens, je te donne ce carnet. C'est un objet très pratique, qui enregistre automatiquement les arbis au fur et à mesure que tu les attrapes. Carnet Zarbis. Super. Je sais pas si je fais la connexion des arbis avec vous ou pas. Il y a une étrange présence ici. Je pense pas que je vais la faire la connexion des arbis, je pense que je vais m'en capturer un ou deux pour la forme, et puis après ce sera tout. Bon. Suivant, Zarbi A en premier avec un bug de texture. Je sais pas si vous l'aurez vu, il y avait quelques pixels qui buguaient. Putain, puissance cachée combat, fait chier. Oui, j'ai une précision de merde avec ce Pokémon. C'est dégueulasse! Putain de merde! Fallait que j'attaque dès le début! Fais pas que je tombe de cuillère. Ah super! Rakayu qui fait de la merde! Tout à l'heure il était hyper. La dernière fois il était hyper badass et puis là maintenant il fait de la merde! Tu vois, ils sont. Charge! Voilà. Bon, résultat, je vais ressortir de la ruine. Hop. Et c'est reparti pour un tour. De merde. Fuck off de merde. Non mais ils peuvent pas faire en sorte qu'il n'y ait pas de bug de texture avec le A en plus. C'est celui que tu vois le plus souvent, merde. Faudrait que je regarde pour patcher ça. Pour patcher les bugs de texture. Parce que c'est un peu chiant quand même. Mais je pense qu'en fait qu'ils ont mal noté les noms des images dans le programme, résultat ça bug. Ça doit être pour ça. Hop. Bon, on est à 25 minutes. Je fais quoi? Je vous laisse ici et je vais farmer dans la ruine tout seul ou je farme encore 5 minutes avec vous et puis après puis j'arrêterai l'épisode sur ça. Bah allez, je vais farmer encore un petit peu avec vous. Ah ouais, mais où? Qu'est-ce que je peux farm pour améliorer ce que... Maltraité par des arbis niveau 5, merde. Ils sont niveau 5 et niveau 10, merde. Fuck off, merde. Un abo, ok. Ça peut être pratique. L'entraînement. Même un abo est plus rapide que mon Rakayu. Rakayu, vitesse de merde.
Par contre, il fait quand même vachement de dégâts. Va falloir que je... Que je sois pendant pas mal de temps pour faire monter de niveau, lui, si je reste dans cette zone-là. Seulement qu'il pouvait choper un type électrique qui soit facile à battre. Oh merde. Ah non, je vais te capturer. Oui, je sais, je suis irresponsable face à mon racaillou parce qu'il se prend des attaques dans la gueule. Il se prend pas mal d'attaques dans la gueule. Dernière attaque. Tac. Ball, Pokéball, activisé. Excusez-moi pour vos pauvres oreilles. Hop, voilà, j'ai un Chatifleur niveau 6, ça va être pratique contre... Personne, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai capturé. Putain, je sais pas pourquoi j'ai capturé ce Pokémon de merde. Attendez... Attendez, les champions. Vol, insecte, normal, spectre, combat, acier, glace, dragon. Dans la ligue, il y a un ténèbre, un poison, Peter en dragon. Un psy. Il y a un psy. Et l'autre, c'est quoi déjà? Il m'en manque un. Je sais plus ce que c'est. En fait, j'ai pris un Pokémon qui sert à rien. Putain, je suis con. Ouais, pas la peine de le dire. Putain, d'ailleurs, t'es qui toi? Ouais, quand même. Qu'est-ce que tu... Pourquoi tu t'appelles plus dans mes vidéos? C'est ça, va te faire. Bon. Eh ben, c'est sur ce que va se terminer mon troisième épisode de Pokémon version Argent Soul Silver. J'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous êtes intéressé par ce que je fais. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao.